Décidément, la langue de Molière est un point sensible à l'Eurovision. Alors que la chanteuse Alma représentera la France avec le titre Requiem lors du prochain concours à Kiev le 13 mai prochain, sa chanson fait déjà polémique. Une première version de Requiem entièrement chantée en français a tout d'abord été dévoilée, mais tout comme Amir l'année précédente, il était prévisible que ce morceau ne reste pas tel quel et deux phrases en anglais ont été ajoutées dans le refrain. Si la version originale a été modifiée pour y placer ces deux phrases en anglais, c'est afin que le sens de la chanson soit comprise par tous, mais aussi qu'elle touche un plus large public, comme l'a expliqué Alma dans une interview accordée aux Parisiens. Une légère modification qui n'a pas manqué de faire réagir les amateurs de la langue française, à commencer par André Valigny, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Sur Twitter, il a dénoncé une mondialisation anglicisée et prône la défense de la francophonie. L'année dernière, Amir avait provoqué la même polémique avec sa chanson « J'ai cherché » et dont le refrain était chanté en anglais. André Valigny avait là aussi jugé ce choix consternant et inacceptable et avait alors déclaré « La langue française baisse pavillon » alors qu'il était encore secrétaire d'État à la francophonie.